Salut à tous, c'est Beast2Mod, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de glitch, on va dupliquer le sac de braquage qui va vous permettre, ce petit glitch va réellement vous permettre de pouvoir mettre le sac de braquage sur toutes vos tenues. Donc pour ce faire, il va vous falloir malheureusement posséder une tenue avec le sac de braquage, c'est obligatoire. Donc pour ceux qui ont déjà fait le glitch et qui ont eu la chance de pouvoir l'enregistrer et de le garder, vous allez pouvoir le reproduire. Malheureusement, si vous ne l'avez pas, c'est foutu. Donc à moins qu'il y ait un autre bug, j'en ai pas connaissance encore. Donc si j'en trouve un, je vous le posterai, il n'y aura pas de souci. Je vous ferai voir un peu comment faire. Donc pour ça, il vous faut une tenue avec déjà le sac de braquage. Il n'y a pas d'hélico plus près. Vous avez besoin d'un hélicoptère. Et la manip va être assez simple, il faudra juste avoir le timing. Il faudra prendre de la hauteur, sauter de l'hélicoptère, ouvrir le parachute, aller dans le pavé tactile, dans style, et choisir la tenue où vous voulez ce sac. Ensuite, dès qu'on va atterrir avec le parachute, dès qu'il enlève son sac, au deuxième harnais qui va retirer, le dernier, vous faites croix pour sélectionner votre tenue. Et normalement, vous avez le sac. Donc, je vais vous le refaire en direct. Vous sautez. Vous ouvrez le parachute. Pavé tactile, style. Vous allez sur la tenue que vous désirez. Moi, c'est pas celle-là. Allez, voilà. Ici. Et au moment où vous allez atterrir, donc vous allez vous laisser en surbrillance. Vous ne faites surtout pas croix maintenant. C'est au moment où il va retirer son sac, son parachute, qu'il faudra faire la manip. Hop là, il enlève son harnais, c'est bientôt le moment, voilà, comme vous avez vu, juste avant qu'il retire le deuxième harnais, vous validez votre tenue, et vous voyez, j'ai le sac de braquage, il ne suffit plus qu'à aller de sauvegarder ma tenue dans n'importe quel magasin, et je suis bon, j'ai mon sac de braco. Donc si vous voulez, je peux vous le refaire une petite fois, c'est pas le problème. Juste aller sauvegarder vite fait, histoire que vous ayez bien compris. Il y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment le timing là. Une fois que vous l'avez vu, moi je l'ai fait sans vraiment trop comprendre. C'est un ami qui m'a expliqué, je remercie Morgan Man au passage. Je fais énormément de glitch avec lui, toujours OP. Donc, là je vais vous le sauvegarder, hein, histoire de vous faire voir. Ah, se met les flics, c'est ballot. Ils vont nous faire perdre du temps. Vite, faut que je m'arrache avant qu'il me retrouve. On va pas y en avoir pour longtemps. Voilà. Donc je vais juste sauvegarder ma tenue. Normal, hein. Je le fais quasiment en instantané avec vous, hein. C'était la première fois que je le faisais. Je m'étais raté deux fois avant. Et là, c'est bon. Donc, je vais vous le remontrer. Donc, là, je sauvegarde, carré. Je vais sur ma tenue que je voulais sauvegarder. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ma tenue. Donc, je peux vous faire voir hein, quand je fais défiler mes tenues, que ce soit celle-là, et que je reviens directement sur la mienne, j'ai le sac. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, je vais vous le refaire un petit coup quand même. Voilà, histoire que vous soyez sûr que c'est pas des conneries ou quoi aux caisses. Sachez que c'est la première fois que je le réussis, donc je vais vous le refaire en direct. J'espère y arriver, normalement il n'y a rien de compliqué, il suffit d'avoir le rythme. Comme je vous ai dit, c'est vraiment juste avant qu'il retire la deuxième lanière de son parachute, avant de le lâcher quoi, qu'il faut faire la manip. Donc pour ce faire, je répète, il vous faut le personnage avec déjà le sac de braco. Donc du coup maintenant moi j'en ai deux, hein. On va dire que j'en avais qu'un, maintenant j'en ai deux. Hop 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 hop. Aïe. Ouais je sais, je suis un chauffard.
Alors, on retourne chercher un hélicoptère. Je vais même vous le faire avec la tenue que j'ai maintenant. Vu que j'ai le sac de braquage qui est sauvegardé, ça va marcher tout pareil. Vous verrez bien qu'on peut vraiment enchaîner après tous ces personnages. Une fois qu'on l'a, c'est bon quoi. Donc vous montez dans un hélicoptère, vous prenez un petit peu d'altitude. Une fois cette altitude prise, vous sautez, vous ouvrez le parachute, style, vous mettez sur la tenue sur laquelle vous voulez votre sac, vous laissez en surbrillance. Dès que votre bonhomme touche le sol et qu'il commence à enlever son parachute, première lanière, deuxième, hop, vous validez le personnage et le sac est là. Donc je ne sais pas sur lequel je vais le mettre, le sac de braquage, je vais mettre sur un nouveau. Donc hop là, on saute, on ouvre, menu interaction, style. On va sur le bonhomme qu'on veut. Bah tenez, je vais mettre ça, Beast Mode Clown. Hein. Voilà, on laisse en surbrillance. Surtout ne faites pas croire, hein, sinon il faudra recommencer la manip. Hop, il va atterrir. Première, deuxième. Et je me suis loupé. Je me suis loupé. Ah, c'est pas bon ça, du coup, faut que je le recommence. Hop, hop, hop. Pas bah, on va recommencer, hein. De toute façon, c'est comme ça que vous allez devoir faire aussi. C'est la même, hein, pour tout le monde. Vous avez vu, hein, c'est juste avant qu'il retire la dernière lanière, juste avant. Hein. J'ai mis vraiment une ou deux secondes de trop et bim. Dans le cul à balayette, comme on dit. Donc je retourne vite fait, vous inquiétez pas, je vais y arriver. De toute manière, je vous l'ai déjà fait voir une fois. Après, il suffit vraiment d'être persévérant. Si ça fonctionne pas, c'est que bah, y a une erreur qui a été commise, hein, parce que vous avez bien vu que direct il est sorti le parachute tout à l'heure. Ok, ils sont pas commodes, j'ai l'impression. Ça, c'est quand vous lâchez l'hélicoptère, ils sont pas contents, les types. Ouais, foutez le bordel sur la map, ils aiment pas ça. On va voir si je peux appeler Lester, parce que tout à l'heure, du coup, vu que je me suis loupé, j'ai rappelé aussi. Hey, how can I C'est help? bon, je peux m'en débarrasser, heureusement. Oh, hey, you're in trouble. Okay, Heureusement. I'll deal with it. Donc on recommence, n'oubliez pas de sortir votre tenue hein, avec le sac, c'est très important. Il est où? Ah, moi je reprends l'autre de tout à l'heure. Ah, je reprends l'autre de tout à l'heure. Ça se trouve dans les lignes de code, il n'est pas encore bien enregistré l'autre, je sais pas, je veux pas me donner d'excuses, mais il me semblait que j'avais fait correctement la manip. On va recommencer, c'est pas grave. Prenez un petit peu d'altitude. On va essayer de retomber sur la route. Hein. Dans l'eau, ça ne fonctionnera pas. Vous sautez, vous ouvrez votre parachute. S'il veut bien. Pavé tactile. Hop, la tenue en question que vous désirez. Hop. Ah, oh, dis-moi pas que je vais me taper ça. Non, ça va le faire. Hop là. Premier, deuxième. Hop là. Oh, vous l'avez vu? Vous l'avez vu. Je suis sûr que vous l'avez vu. Il y était le truc de braquage. Le sac de braquage. Alors, vous savez quoi? Du coup, vu que je l'ai vu, je crois que ça doit être patché pour les nouveaux vêtements. Je pense que ça doit tout simplement être ça. Vous pourrez essayer, vous, de votre côté. Mais vu que là, en fait, j'ai essayé avec à chaque fois des nouveaux vêtements et que ça n'a pas voulu, je suis sceptique. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Désolé pour la fin, j'ai pas réussi à te le reproduire, mais je te l'ai déjà fait une fois. Je pense que tu peux me croire, tu peux me faire confiance, ça fonctionne. Merci à Momo, merci Morgan Man de ton aide. Et moi, je vous dis à ciao, bonsoir. Bis tout de retour, petit complément d'information. En réalité, ça fonctionne. Je viens de le mettre sur mon blouson, les nouveaux blousons. Donc je vais vous le montrer. Je vais vous le refaire un coup. Je ne l'ai pas sauvegardé exprès. J'espère arriver à faire la manip, c'est tout. Parce qu'en fait, il faut vraiment être bien synchronisé. Hein. Si vous ne l'êtes pas, ça va être tendu l'histoire. Donc regardez bien.
Je vous disais tout à l'heure que ça ne marchait pas, j'ai été faire le tour, j'ai testé plusieurs fois et j'ai réussi à le mettre. Donc je viens me contredire à la fin de cette vidéo, je rajouterai cette petite partie. Hop hop hop. On grimpe, on sort, on ouvre le parachute. Pavé tactile, style. Et vous avez sur la tenue que vous désirez. Et grâce à ce petit glitch, vous aurez le sac de braquage. Vous pourrez le mettre sur tous vos personnages. Et ça, ce sera top parce que franchement, combien il y en a qui le voulaient, ce sac de braquage? Après, ça a été patché. Regardez bien. Hop, on attend. Il enlève la première. Et dès qu'il enlève la deuxième, vous mettez le sac de glitch. Voilà. Vous voyez? C'est vraiment dès qu'il va pour saisir la deuxième, là, vous envoyez le croix. Mais vous faites qu'une fois croix, hein, parce que tout à l'heure, pendant la vidéo, j'ai dû le faire. On a vu le sac et j'ai refait une fois croix, ce qui l'a fait disparaître. Donc faites attention. Voilà, écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que je me suis bien rattrapé sur la fin. Désolé, le glitch ne marche pas forcément à tous les coups. Il faut vraiment avoir le rythme. Je sais, je les répète un petit peu, mais c'est vraiment le cas. C'est un rythme qu'il faut avoir. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que le glitch, tu vas réussir à le faire sans trop galérer comme moi. J'ai dû faire au bout de 4-5 essais. Si t'es pas abonné, abonne-toi, like et commente si la vidéo t'a plu. Et moi, je vous dis à ciao tout le monde. Bon.